avec la pléiade d'outils que j'ai reçus, autant au niveau du business qu'au niveau personnel, qu'au niveau relationnel, qu'au niveau intérieur. En fait, tu apprends à jouer avec les différentes modalités de la vie, en fait. Et c'est un peu comme ça que tu commences tranquillement cet art de vivre, qui est une espèce, si on veut, une alchimie de vie, en fait. Donc vraiment, cette formation, ça m'a apporté de retravailler sur ma cohérence personnelle. On a eu pas mal de protocoles qui ont permis de repartir dans l'enfance, donc dans l'adolescence, même encore avant, et de revenir aussi sur ce qui était nos héros et nos mentors, les personnes qui ont été importantes pour nous, pour revoir un peu nos valeurs et ce qui a fait notre identité depuis toujours. C'est vrai que moi, ce que j'aime beaucoup dans les formations de l'Institut Paul Pironet en général, c'est qu'on vient chercher des compétences, on vient chercher de la pratique, on vient chercher de l'expérience, mais on vient chercher aussi de l'humain. Parce qu'en fait, au sein de ces formations, on rentre parfois dans l'intimité des gens parce qu'on fait des vrais protocoles sur des problématiques qui sont réelles. Et il se crée vraiment des liens très très intenses avec les gens. Ce qui m'a plu le plus, c'est cette dimension, comme dit Polo, cette dimension que c'est le pouvoir de l'amour en fait qui est à la base de toute transformation. Et ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est beaucoup de choses sur moi-même, en premier. Comment gérer mes émotions. Comment les accepter, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Comment transformer l'histoire de vie est quelque chose aussi qui m'a marqué. Le fait de travailler ici, puis de rencontrer toutes ces personnes qui sont toutes bienveillantes, qui sont à l'écoute les unes des autres, crée aussi cette dynamique de groupe qui fait que finalement on se sent bien, on passe un bon moment tout en apprenant beaucoup de choses sur soi. Au-delà qu'on travaille vraiment les états émotionnels, on se rend compte qu'il y a vraiment une intelligence émotionnelle collective, qu'il y a une cohésion d'équipe qui fait qu'accroître en fait cette dimension de transformation. C'est vraiment la posture de Lionel et Paul, complètement bienveillante et nous laissant complètement libres de notre transformation, nous disant pas comme un maître tout puissant. C'est ça que tu as à travailler ou c'est comme ça qu'il faut faire. S'il y avait une chose que je devais retenir de ce praticien, c'est vraiment incarner son potentiel. Donc j'ai trouvé que c'était un outil extraordinaire qui nous permettait en fait de faire un bond en avant énorme. Je reviens chaque année en fait et régulièrement me nourrir en fait de cette énergie, de ces apports théoriques, de tous ces protocoles en fait d'accompagnement qui sont extraordinaires. Permettre de mieux comprendre les mécaniques de conditionnement en fait, de comment on est conditionné, comment on peut se reconditionner, pas subir quoi que ce soit mais vraiment faire avec tout ce qui vient.